السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى اخوتي الاعزاء، كنحييكم من هذا المنبر ان شاء الله. هنا في هذا السنتر هذا غير اللي كنجيلو كما كنقول لكم دائما تنجيلو كنتعلم الفرنسية، ماني درت لكم فيديو اللي كنتعلم الفرنسية، وكنجي كاين عاوتاني بيرو خاص بلورديناتور اللي بغا يتعلم في لورديناتور ويعلم في التليفون ويدير مثلا اللي عنده بلون بلوها ولا اي حاجه بغا يتعلمها، ولا كاين هذا البيرو حتى هو نهار في السيمانه كل جمعه، والاخوات اللي بحالي في هذا اللاج ما يعجزوش يتعلموا. راه قال لك طلبوا العلم من المهدي الى اللاحدي. انا راه خاف العمر ديالي مثلا 60 عام مازال كنقرا، كل عام تنقرا كل عام تنستافد، واخا حرف واحد كنحرف تنحس براسي كنقول الحمد لله راه العلم والنور، يعني لا في الفرنسيه ولا في العربيه ولا في اي لغه. ومن هذا المنبر خوتي عزيز تنحيي اي واحد يعني كيعكز يجي ياخذ العلم في النور ديال عقلو باش يتنور، ما يعرفش مرحبا به في اي بلاصه لقى قريبه له، يستغل الفرصه في هذه الحياه. راه العلم والنور والجهل والعار. وهانتوما معايا ان شاء الله في الكماله ديال الفيديو الفرنسيه ولغه ديال الفرنسيه كما قلتو. دابا انا حيت ساليت راه الاخت الله يجازيها بخير يعني تدير معايا مجهود كبير، كنقول اخواتي في السنتر الله يجازيهم بخير يديروا معنا مجهود على حساب قد العقل ديالنا حنايا. Voyelle 20. Non, consonne. Consonne 20. Donc les voyelles, il y en a Voyelle 20. Non, 20 consonnes. Consonne, voilà. Et, ah, d'accord. Et il y a voyelle 6. Alors c'est quoi les voyelles 6, il y a I, oui. O, U, 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 Y. Il va I, non, c'est pas I. A. Voilà. Voilà. C'est bien des voyelles. Voilà. Ok. Bonjour. Bonjour. Oula, printanière. Hein. Phrase avec abricot. J'ai mon phrase abricot. J'étais allée à je suis allée à Auchan. Et j'ai acheté un cajou de abricot. Voilà. Après, on ne dit pas... Un cajou de abricot. On ne dit pas de abricot. Pourquoi? Parce que... Ça commence par un A, une voyelle. Ouais. Donc, on enlève le E et on dit d'abricot. D'abricot. Voilà. Quand il y a une voyelle, on dit d'abricot. On ne fait pas de A. Voilà. A. Par exemple, s'il y a une consonne, P, on dit de poire. Mais quand il y a une voyelle, on dit d'abricot. Okay, ok. Le deuxième mot, Fatem Zora Calme. 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 La deuxième, oui. Calme. Ma fille aujourd'hui, elle est calme parce qu'elle apprend les médicaments pour la. Comment s'appelle la. Les gens, parce qu'on m'a fait des malades. Alors, ma fille aujourd'hui, elle calme. On dit pas il est calme. Et calme. Ma fille aujourd'hui, elle calme. C'est bon, c'est tout. Et voilà, très bien. Voilà, merci. Après, vous pouvez rajouter parce qu'elle a une angine. Voilà. J'arrive pas à dire l'angine. Ah. J'arrive pas à dire. Merci beaucoup. On ne copie pas sur les voisins. Sur la voisine. Copie. Ouais. Il réfléchit bien. Les vins et là. C'est une place. C'est une place. Réfléchissez. Premier mot, c'est cueillir. Donc, c'est le son K. Après. Couture, culture. Bah voilà, culture. Allez, continuez, mettez des flèches. D'accord. Vous avez fini? Culture. C'est ça, j'ai fini. J'ai fini. Culture. Très bien. Le dernier, quatrième. Vous me dites quand c'est bon. Ça va, c'est bon. Alors, sale, le contraire, c'est propre. Bien, vide, contraire, plein. Lent, rapide.
Froid, c'est quoi que vous avez? Chaude. Chaud, très bien. Lourd. C'est léger. Clair, sombre, difficile, facile. C'est bon. Très bien. Et maintenant, on va faire le numéro 2. On va commencer par Fatem Zora. Cette histoire n'est pas longue. Donc, si elle n'est pas longue, cette histoire est... Elle est... Longue. Alors, couture, vous avez mis K. Lacet. Lacet, non, c'est le son S. Lacet, c'est ici. Place, c'est bien. Cause. Cause, c'est K. C'est pas juste. Et garçon, c'est bon. C'est bon. Okay. Alors, col. Tour. Là, là vous avez oublié race. Rincer, il est là. Décorer, il est là, c'est bien. Cigogne, c'est là. Décider, bravo. Cadre, c'est là. Côté, non, côté, c'est là. Avec quoi? Avec orin, c'est côté. Oui, écart et cintre, bravo. C'est bon. Et là, vous faites pareil. K, par exemple, comme, c'est un K. Donc, vous l'entourez. D'accord. Après, c'est des S. Celui dont avec vous l'entourez. S. Voilà, vous en tirez les K, vous en tirez les S. D'accord, merci beaucoup. Donc, il faudrait que vous fassiez les deux. J'ai pas allumé le truc là. Ah, eh bien, faites les deux, puis on corrige. Voilà, ensemble. Oui, d'accord. Voilà. Alors, là, il y a une citrouille, une glace, la cime. Tout ça, c'est des ceux. Et comment on dit ce mot? Un arceau. Vous voyez, il y a le ce, donc vous pouvez l'entourer. Arceau. Et là, c'est le son. Con, quand. Voilà, celui-là, quand. On ne l'entoure pas. Tout ça, c'est des ce, sauf celui-là. Et vous connaissez ce mot? Carrefour, non? Carafe. Carafe. Vous savez ce que c'est, une carafe? Oui. C'est là où on met l'eau? Oui, tout à fait. Ou le vin? Carafe. Ou le vin. Alors. Une. Une gare. Non, c'est une, A. C'est A, ça fait. Ça. K. Voilà. Une s'il y avait une cédille, ça cagole. Ferait ça. Mais il n'y a pas de cédille. Alors c'est K. Une cagole. Cagoule. Cagoule. Vous savez cagoule. Ce que c'est une cagoule? Oui. Voilà. Que on voit que les yeux. Après. C'est CO, ça fait quoi? CO. Côté. Côtier. Côtier. Ça veut dire que c'est sur la côte. Ouais, côtier. Bord de mer. C'est un fruit, ça. Un abricot. Un abricot. Voilà. Et là Mini. Mince. Mince. Voilà, vous l'avez entouré parce qu'il n'y a pas de cas. Parce qu'il y en a et. Oui. Compote. Non. Compoti. Tout ça, c'est la même syllabe. Com. Com. Et après Com. Compte. Compter. 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 Compter les sous. Ah, compter. Compter les sous. Les sous ou autre chose. On a besoin de les sous. Et couler. Voilà. Couler. Voilà, tout ça c'est donc, ça va un petit peu? Oui, eh ben oui, ça va. Et maintenant, vous allez faire une petite phrase. Ouais. Je vais vous donner des mots. Vous allez préparer deux phrases, d'accord? Oui, d'accord. Vous avez le mot colibri. Ce matin, je me suis promenée, j'ai vu un joli colibri. C'est voilà, facile, c'est pas hein, vous voyez. Donc, vous faites une petite phrase. On va commencer par abricot. J'ai mon phrase abricot. J'étais allée à je suis allée à Auchan et j'ai acheté un cajou d'abricot. Voilà. Après, on ne dit pas un cajou d'abricot. On ne dit pas deux abricots. Pourquoi? Parce que ça commence par un A, une voyelle. Ouais. Donc, on enlève le E et on dit d'abricot. D'abricot. Voilà, quand il y a une voyelle, on dit d'abricot. On ne fait pas de A. Voilà. A. Par exemple, s'il y a une consonne, P, on dit de poire. Mais quand il y a une voyelle, on dit d'abricot. Okay, ok. Le deuxième mot, Fatem Zora. Calme. 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 La deuxième, oui. Calme. Ma fille aujourd'hui, elle est calme parce qu'elle apprend les médicaments pour comment s'appelle les gens. Parce que ma fille est malade. Alors, ma fille aujourd'hui. Ma fille aujourd'hui, elle calme. On ne dit pas il.
et calme. Et calme. Ma fille aujourd'hui est calme. C'est bon, c'est tout. Et voilà, très bien. Voilà, merci. Après, vous pouvez rajouter parce qu'elle a une angine. Voilà. J'arrive pas à dire l'angine. Ah. J'arrive pas à dire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un verre qui se termine par ER. Mais c'est pas que j'allerai. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est un verbe à part. Hein. Donc aujourd'hui, je. Allez au marché. Aujourd'hui, je. Je aller. Je aller. Non, aujourd'hui, je. Au marché. Comment on dit aujourd'hui. Bien. Demain, j'irai voir ma soeur. J'irai voir ma soeur. Demain, j'irai voir mon Dieu. Vous n'avez pas mis le futur du verbe aller, non. Je vous avais dit que le présent. Je vais le marquer pour la prochaine fois. Prendre. Je prends le train. Demain, le train. Je prendrai le train. Après, il y en a beaucoup qui m'aiment les hier. Hein. Quand on disait aujourd'hui, je pars, c'est le verbe partir. Partir. Donc on dit je pars. Demain, je partirai. Partirai. Voilà. Le futur, essayez le futur de. Toujours. Alors, vous allez penser en vitesse, à l'espace, n'importe quel verbe au futur. شكرا وإلى اللقاء الذي دعاء إن شاء الله مع السلامة.